Toutes les cages au sport du Québec lancent cet automne une nouvelle campagne pour lutter contre le cancer de la prostate. La chaîne de restaurants s'associe aux producteurs de volailles du Québec ainsi qu'à l'organisme Procure afin de récolter des fonds, mais également sensibiliser les hommes et les convaincre de subir un examen. C'est plus de 50 restaurants à travers le Québec, c'est très important. Et ils ont fabriqué un sandwich spécialement pour le mois de novembre. C'est un sandwich à la dinde avec des pommes dedans. Hey, c'est du santé, ça, c'est merveilleux. Pour chaque sandwich dinde et pommes qui va être vendu durant le mois de novembre, 1 $ va être remis à Procure. Et aussi, à tous nos clients, on va leur demander s'ils veulent ajouter 1 $ à leur facture, 1 $ ou plus, un don volontaire. La majorité des éleveurs de volailles du Québec, ce sont des hommes. Il y a une collecte de fonds qui est faite auprès des producteurs, effectivement. Il y a aussi un souper qui est organisé pour ramasser des fonds. Et on s'associe à la cage au sport pour le burger du dindon. La maladie, le cancer de la prostate, c'est une maladie hypocrite. C'est le tueur silencieux. Il n'y a absolument aucun symptôme. Moi, quand je l'ai eu, j'avais 49 ans. Et c'est tout à fait par hasard que mon médecin a découvert ça. Procure avait appuyé l'an dernier le Movember, la campagne canadienne de financement et de conscientisation au cancer de la prostate, dans le cadre de laquelle on propose aux hommes de se laisser pousser la moustache. Cependant, Procure fera cavalier seul cette année, jugeant que la campagne Movember n'est pas assez bénéfique au Québec. Oui, il y a eu un peu de déception parce qu'on a demandé de l'aide financière qu'on n'a pas obtenue. Avec Prostate Cancer Canada et Movember. Et ils ont quand même avancé plus de 6 millions l'année passée ici au Québec. On aimerait qu'une partie de cet argent-là revienne dans la communauté. Ils ont donné dans des projets de recherche, pas loin de 4 millions sur plusieurs années, mais il y a plus que la recherche, là. Il y a vraiment l'aide aux patients avant et après l'opération. Alors, on dit aux gens, faites Movember, faites-le, mais envoyez-nous l'argent à nous. On va l'utiliser pour aider les Québécois.